Soyez tous et toutes les bienvenus en ce quatrième dimanche du temps de l'horizon ordinaire. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon avant de chanter, et j'ai l'impression que ce soir nous sommes en train de battre tous les records de présence, puisque nous ne sommes même pas 10 ou presque aux alentours. Mais il faut savoir que chez les Juifs, il faut avoir au moins 8 personnes, je pense, pour avoir une prière valide. Alors, nous dépassons ce chiffre. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, même si nous sommes pas nombreux, pour chanter le Seigneur, pour écouter sa parole, et pour faire comme les habitants de Nazareth qui, dans la synagogue, sont intrigués par Jésus qui vient. Au début de cette Eucharistie, conscients que nous sommes pécheurs, faibles, pauvres, demandons au Seigneur de nous pardonner nos péchés, afin de pouvoir être dignes de participer à son repas. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse son miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Toute la vie de Jérémie fut un drame continu. Incompris, rejeté, persécuté par un peuple aveuglé par ses préjugés, il ne renonça jamais à sa mission. Pour les chrétiens, il fut par sa parole et par son existence l'annonciateur du Christ rejeté par ceux qu'il aimait. Écoutons sa parole. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Mais je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Thank you.
trop souvent, ces dons n'ont été source que de troubles dans la communauté. Pourquoi? Seul le don de l'amour manifeste pleinement la présence de l'Esprit. Mais cet amour n'est pas facile, car il implique une maîtrise des réactions instinctives de l'homme. Il est par excellence le don à demander à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je veux vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toutes les sciences de l'homme des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.
s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement vous allez nous citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter au bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je vois moi une personne qui fait ce que d'autres n'ont peut-être pas fait. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées pendant la cérémonie ici à l'église et vous avez toutes poussé la porte avec vous. Sans les purifier par après. Alors, les portes, c'est dangereux pour le coronavirus. Ça peut se transmettre très facilement par la porte. Donc, si vous le voulez, il y a à l'entrée du gel. N'hésitez pas à en faire usage pour ne pas avoir de mauvais souvenirs de cette messe du 4e dimanche du temps ordinaire. C'est peut-être une des scènes les plus tragiques du Nouveau Testament que nous venons d'entendre, frères et sœurs. Après avoir prêché dans bien des villes et des villages, Jésus se rend finalement chez lui, à Nazareth, où il est rejeté et même menacé d'être poussé du haut de la colline où la ville était construite. Pourquoi cette tentative de meurtre? Tout avait pourtant si bien commencé. Nous l'entendions la semaine dernière. Au départ, les habitants de Nazareth étaient étonnés, disait la Bible, du message de grâce qui sortait de sa bouche. Qu'a-t-il bien pu en une fois se produire dans l'esprit des habitants de Nazareth pour qu'ils en viennent soudain à vouloir le tuer? La réponse à cette question réside peut-être dans le fait que Jésus ne correspond plus aux attentes de ses concitoyens. Celui qu'ils avaient imaginé se mue soudain en celui qu'ils ne veulent surtout pas entendre. Il faut s'imaginer, ces braves gens de Nazareth avaient probablement entendu parler de Jésus, des guérisons miraculeuses qu'il opérait, des malades qu'il avait guéris, voire même des morts auxquels il aurait rendu la vie. C'était un peu la gloire du village, Jésus. Le Wonder Boy de Nazareth, dont tout le village pouvait dire, vous savez, celui-là, il est de chez nous. Et voilà qu'en une fois, alors on va enfin pouvoir voir ici, à Nazareth, ce qu'il a fait à Capharnaüm et ailleurs. Ce jeune blanc-bec refuse de faire le moindre petit miracle. Pire encore, se prend pour un prophète de la taille d'Élie et d'Élisée, et va même jusqu'à laisser sous-entendre que, comme eux jadis, il n'est pas le bienvenu dans son propre pays et qu'il ira faire des miracles à l'étranger chez ses païens, ces gens qu'on ne peut ni toucher ni approcher. Quel culot tout de même! Et pour qui se compte-t-il à la fin? N'est-ce pas, après tout, le fils de Joseph, le charpentier du cœur?
Comment peut-il donc dire que l'Esprit de Dieu repose sur lui, alors que tout juif sait bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'à côté de lui, nulle créature humaine ne peut prétendre être son égal? Cet homme est un fou, il est dangereux, il blasphème. Il faut le faire taire avant qu'il ne ternisse ailleurs la bonne réputation du village. Ah, les paroles du prophète Isaïe sont certes de très belles paroles lorsqu'elles sont lues dans les rouleaux de la synagogue. Mais il ne faut surtout pas qu'elles quittent les rouleaux de la synagogue. Que le fils de Joseph reste donc le fils de Joseph. Et s'il a des pouvoirs magiques, comme on le prétend, eh bien qu'il nous les montre. Ce serait tellement plus simple. Frères et sœurs, ne trouvez-vous pas qu'à bien des égards, nous sommes semblables à ces habitants de Nazareth? Oh, certes, nous reconnaissons le Christ, et nous n'irions jamais jusqu'à le précipiter du haut d'une montagne ou de l'atomium pour que notre coup réussisse. Mais combien de fois ne le faisons-nous pas d'une autre manière? Chaque fois que nous faisons comme si ces commandements n'existaient pas, et que nous cachons notre identité chrétienne, parce que ce n'est pas à la mode de l'être, ou que cela ne nous arrange pas dans telle ou telle situation. Aujourd'hui, comme du temps de Nazareth, Jésus reste ce dérangeur, cet homme qui nous empêche de tourner en rond, et dont la parole, si on la prend vraiment au sérieux et qu'on ne la laisse pas s'empoussiérer sur le rayon d'une bibliothèque, ne cesse de nous remettre en question et de bousculer nos petites façons étriquées de voir les choses. Notre génération, frères et sœurs, surtout chez les jeunes, est une génération où ça ne fait pas bien d'avoir la foi. Ce qui compte, c'est le merveilleux et le miraculeux. Faites donc des guérisons et des signes prodigieux avec des rayons laser et tout ce qu'on peut imaginer. Alors peut-être croirons-nous en vous et braquerons-nous nos caméras sur vous. Mais n'allez surtout pas nous demander de croire et d'observer des commandements sans plus. Aujourd'hui comme hier, l'homme ne veut pas croire en Dieu, qui dérange nos façons de vivre et de penser, voire qui nous demande de remettre sans cesse en question nos façons d'agir et nos comportements moraux. Ah, quand Dieu fait nous ressentir qu'il est là et qu'il faut changer quelque chose dans la vie, alors il arrive souvent que l'homme se fâche et qu'il refuse d'obéir à cette voix qui, en lui, lui fait très clairement sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans son comportement. Quand on étudie l'histoire de l'Église, on trouve fréquemment des saints et des prophètes qui, par fidélité à l'Évangile, n'ont pas eu peur d'aller à contre-courant de ce que la majorité disait et faisait, et de dire bien haut au roi et aux puissants qu'ils enfreignaient les commandements de Dieu. Et comme Jésus, ils ne furent pas souvent prophètes en leur propre pays, et ils eurent à affronter la haine, la colère et les menaces de mort. Mais c'est leur ténacité et leur fidélité à Dieu qui les a justifiés. Lorsqu'un chrétien prétend pouvoir se passer de la pratique religieuse ou suivre Jésus quand bon lui semble ou comme bon lui semble, lorsqu'un chrétien nie la divinité de Jésus ou le réduit à un hippie révolutionnaire qui approuve tout comme le Père Noël tout ce qui va dans le sens de l'anarchie, que se passe-t-il alors? Eh bien, Dieu le laisse entièrement libre de faire et de penser ce qu'il croit, et il ne se fâche jamais. Mais comme pour les habitants de Nazareth, il passe au milieu d'eux et il quitte l'endroit, laissant les cœurs libres d'enfermer la parole de Dieu dans les convenances qui ne dépassent pas le camp d'Iraton, et de sombrer ainsi peu à peu dans la tiédeur religieuse. Comme nous le voyons chez tant de personnes qui se vantent presque de dire qu'elles ne vont plus à l'église ou de chercher des excuses.
L'attitude des habitants de Nazareth, c'est une grande leçon, frères et sœurs, afin que nous n'enfermions jamais Jésus dans nos petites attentes et nos façons de voir et de faire, mais que nous le laissions être celui qu'il est vraiment et ce qu'il veut vraiment devenir. Levons-nous maintenant pour dire ensemble que nous croyons en Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même la nature que par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il y a la chair de la Vierge Marie, et ses vêtements. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il recèle le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit mes adorations et mes louanges. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Adressons la prière à Dieu par Jésus qui est le médiateur de l'alliance nouvelle et qui nous guide. Pour notre Église, purifie-la des péchés de ses membres et donne-lui la joie de témoigner dans la puissance de ton esprit d'amour. Seigneur, nous te prions. Thank you.
prions ensemble pour avoir l'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Va, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur.
De même, à la fin du repas, il pria. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de mon Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens d'être pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité. Thank you.
Prions le Seigneur. Élevons-nous. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, mercredi prochain, le 9 février, nous fêterons la Chandeleur. Alors, il n'y aura pas de messe ici, mais il y en aura une à Notre-Dame-de-Lac, comme c'est une belle fête, non pas uniquement pour manger des crêpes, mais aussi pour prier, parce que c'est une fête qui se trouve entre Noël et Pâques, et qui prend congé de Noël, déjà s'introduire vers Pâques. Alors, il y a un beau geste, un beau symbole, tout le monde reçoit un cierge, et là, le Chandeleur. C'est vraiment un jour à marquer dans la prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.